Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du très 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 lourd les gars. En ce moment je sais pas pourquoi mais je suis complètement matrixé par le phénomène des jumeaux diaboliques. Et ouais, et là je vous le dis, j'en profite, il est actuellement l'heure de 3h du matin les gars là. Et c'est à ce moment là où nos jumeaux diaboliques peuvent apparaître. Alors certains me diront, mais qu'est-ce que c'est que nos jumeaux diaboliques? C'est simple les gars, c'est la version de nous-mêmes mais complètement démoniaque et complètement possédée. Et cette version diabolique de nous-mêmes n'a qu'une seule envie, c'est d'agir pour le mal. Ouais, c'est flippant. C'est terriblement effrayant même. Et je vous le dis, dans cette vidéo je me lance plein d'objectifs. J'aimerais retrouver mon propre jumeau diabolique à moi dans la vraie vie. J'aimerais aussi retrouver le jumeau diabolique des frères youtubeurs Vlad et Nicky. Et ce qui serait vraiment intéressant aussi, c'est d'essayer de retrouver le jumeau diabolique de certains monstres de Poppy Playtime, notamment Huggy Wuggy, peut-être pourquoi pas Catnap. Ça peut être une dinguerie, ça peut être fou furieux les gars. En tout cas on va bien évidemment faire l'utilisation du drone. Ça va vraiment nous aider, c'est trop important. Là en tout cas je vous le garantis que ça va nous faire une grosse vidéo. Nous avons plein d'objectifs à atteindre. N'hésitez pas surtout à donner de la force en mettant plein de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui regardent les vidéos qui ne sont toujours pas abonnés. Allez, sur ce, on perd pas beaucoup plus de temps et on se met au boulot. Allez, let's go. Je suis à la recherche de mon jumeau démoniaque. Oui. Ou bien plutôt, on est à la recherche de nos jumeaux démoniaques parce que je suis en compagnie de Sim Spooky qui est ici présent. Hey yo, tout le monde ami, j'espère que vous allez bien. Hey ouais, comme tu viens de le dire Optech, on est à la recherche de nos jumeaux démoniaques. Alors là, vous devez savoir que nos jumeaux démoniaques auraient été aperçus en train de traîner dans tout le quartier. Et le problème, c'est qu'ils auraient un comportement totalement irrespectueux. Je veux dire qu'ils dérangent absolument tout le quartier. Ils font un bazar monstrueux. Et forcément, le voisinage ne sait pas que ce sont nos jumeaux démoniaques. Et donc, on a eu des plaintes à notre rencontre. Je veux vous dire que ça nuit totalement à notre réputation dans tout le quartier. Ça devient insupportable. Mon jumeau démoniaque me colle une réputation de charlatan. J'en ai marre. Et on va essayer de le trouver, on verra bien. En attendant, toi Sim Spooky, toi aussi, on va essayer de retrouver ton jumeau démoniaque. Et vous savez quoi, on perd pas plus de temps, on va directement faire décoller le drone. Et vous avez juste une seule chose à faire, vous, c'est de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, c'est trop important. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube si vous kiffez les vidéos avec les drones. Allez, moi maintenant je perds pas plus de temps et je vais directement faire décoller le drone sur ma main. Oui, regarde ça Sim Spooky. C'est parti, paré au décollage. Attachez vos ceintures. Yeah. Allez, c'est parti, regarde. Au revoir le drone. Au revoir le drone. Alors attends, attends, est-ce que tu vois quelque chose là? Attends, bah je vais essayer d'aller en dessous du pont peut-être. Okay. Mais mec, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Attends, c'est qui, c'est quoi ça? Attends, mais il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un. Attends, c'est peut-être pas encore nos jumeaux démoniaques. Attends, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mec, j'ai l'impression qu'il me ressemble, non? Attends. Je m'approche. Approche-toi. Je vais m'approcher, on verra bien les gars. J'ai vraiment l'impression qu'il me ressemble là pour le coup. Oh, je crois qu'on tient quelque chose d'intéressant. C'est chelou. C'est toi. C'est toi. Enfin, c'est pas toi, mais c'est toi, mais en jumeau démoniaque. Sérieux, c'est sérieux. Attends, montre un peu là. Ouais, mec. Ah ouais, c'est moi les gars. Ouais, on a trouvé ton jumeau démoniaque. Eh mec, est-ce que je fais flipper? Attends, regarde. Check ça déjà. Check ça mec, on a déjà trouvé ton jumeau démoniaque, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. À mon avis, là, je dois... Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. C'est un peu bizarre en vrai là. Il est un peu fou ton jumeau démoniaque. Ouais, il est vraiment fou je crois. Et puis qu'est-ce qu'il a dans les mains là? C'est quoi ça? Je sais pas, mais on dirait qu'il est en train de se jouer les acrobates là, on dirait. Ouais mec. Oula. Ouais, t'as raison. C'est un peu bizarre ce qu'il fait, je comprends pas trop. Franchement, ça se voit qu'il est démoniaque dans sa tête. Attends, alors moi. Et moi, il est où mon jumeau démoniaque? Bah écoute, franchement, je sais vraiment pas. Pour l'instant, aucune trace de ton jumeau démoniaque. Non mais je suis jaloux, on a trouvé le tien et le mien alors. Mais tranquille Robtech, au fur et à mesure de la vidéo, avec un peu de chance, on pourrait peut-être retrouver ton jumeau démoniaque. J'espère, parce que là je t'avoue, je suis un peu jaloux. Mais non, t'inquiète pas, on va le retrouver. Attends, regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il a repéré le drone. Je crois qu'il a vu le drone. Fais attention mec. Parce que c'est vrai qu'il est un peu démoniaque. Il pourrait avoir de très mauvaises intentions. Alors attention. Fais attention à ton drone, moi je te le dis. On va prendre nos gardes. Et en plus je crois qu'il a l'air de pas apprécier la présence du drone. Ouais, il est complètement démonté là. Il aime pas du tout la présence du drone en tout cas. C'est clair. Attends, mais Robtech, la petite question. Quoi? Est-ce
est-ce que tu penses que mon jumeau démoniaque il m'aime bien? Enfin, je sais pas moi. Alors je sais pas, hein, parce que en temps normal, vu que nous on est du côté du bien et que bah nos jumeaux démoniaques sont du côté du mal, je pense qu'ils nous aiment pas, tu vois. Ils nous aiment pas, c'est incompatible. Bah oui, je comprends. Je comprends. Bah ouais, c'est bonne ça, réponse. Ouais, non, mais alors attends, mec, bon, tu sais quoi, on va pas prendre de risques. On va pas trop prendre de risques. Je veux dire que ton jumeau démoniaque est très très énervé. En tout cas, là, il aime pas du tout la présence du drone. Alors on va s'éloigner. Donc, franchement, Robtech, prends tes précautions, fais très attention. Et on va prendre nos distances. Ou bien attends, je vais essayer de me rapprocher, mais cette fois, je vais y aller tout doux, tout doucement. Tranquille, tout ok. Tout doux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de charger le drone, gros. Il essaye de chasser le drone carrément. Il court vite là. Ok, je vais un peu garder d'altitude. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je pense qu'il est complètement... Mais il est complètement démonté, gros. En tout cas, là, Sim Spooky, une chose que je veux te dire, c'est que je te conseille de ne jamais être confronté à ton jumeau démoniaque. Hein. Il est complètement fou. Hein. Je crois que c'est le pire. Je comprends. T'as raison. Et je pense que si je suis amené à le rencontrer, je pense que ça devrait mal tourner. Hein. Ah ouais, je pense que ça devrait mal se passer. Hein. Et mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, je sais pas, mec. Attends, il joue avec les flaques d'eau. Franchement, il est complètement foufou, mon jumeau démoniaque. Hein. Regarde, il joue avec les flaques d'eau. Mais attends, la Robtech là, je veux dire quelque chose là. Quoi? Ton jumeau démoniaque, où il est? Arrête de dire ça, je suis jaloux moi. Je suis jaloux, non mais j'avoue là. Bien fait pour toi. Mais moi aussi je veux trouver mon jumeau démoniaque, attends. Ah mec, toi t'as pas de chance, hein. C'est dommage en vrai. Attends, mais tu sais quoi, on va continuer à suivre ton jumeau démoniaque. Et peut-être qu'en suivant ton jumeau démoniaque à toi, ça va peut-être amener le mien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Et attends, la Robtech là, restons un peu concentré là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il est en train de désigner quelque chose là. Attends, approche-toi un peu là. Oui, il désigne quelque chose devant le portail. Regarde, il y a un sort de gros portail. T'as raison, il est en train de désigner quelque chose. Montre un peu. Je vais m'approcher. J'ai l'impression que ça me ressemble, non? Attends, mais c'est toi ça? Quoi? Regarde, c'est toi là sur le portail. Dinguerie. C'est ta tronche, Sim Spooky, c'est ta tronche. Mais ça veut dire c'est qu'il me veut. Il y a toi là affiché avec une grosse cible sur la tête. Je crois que ça veut dire quoi? Je sais pas. Je crois que je suis sa cible, gros. Il me veut vraiment pas du bien, celui-là. Je crois qu'il te veut du mal, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. C'est compliqué là, franchement. Mais maintenant, il essaye de chasser le drone. Fais gaffe. Fais attention, mec. Ça va. T'inquiète pas. Oh là là, il est énervé. Et là, je crois vraiment qu'il est énervé. Franchement, il est incontrôlable. Et je pense qu'on devrait pas trop traîner là dans le quartier. Je pense que t'as raison. Vaudrait mieux pas croiser nos jumeaux démoniaques. Je pense qu'il faudrait pas tarder là. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il ramasse un vélo. Regarde, il a un vélo là. C'est un vélo, ça, je crois. Attends, c'est chelou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je sais pas. Regarde, il repart à vélo. Ah ouais, je veux vous dire que c'est sérieux, les gars. Il repart à vélo. Attends, mais je suis choqué là. Mon jumeau démoniaque, il sait faire du vélo là. Il se débrouille plutôt bien, toi. Franchement, beau gosse. Hein. J'avoue. Ah non, mais franchement. Et puis attends, on en parle de moi, de mon jumeau démoniaque à moi. On l'a toujours pas retrouvé. J'avoue qu'on l'a vraiment pas encore retrouvé. C'est bizarre, gros. Et là, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire. Je sais pas où est-ce qu'il va aller avec son vélo. Je sais. On peut dire qu'il t'a clairement ciblé. Il t'a pris pour cible. Ah oui. J'avoue que c'est vrai ça. Ça veut dire que je crois qu'il te recherche activement, gros. Ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment compliqué. À mon avis, gros. Non. Mais les gars, à mon avis, faudrait pas trop traîner là. Je pense qu'il faudrait rentrer à la maison, se mettre en sécurité. Parce que là, je crois que Sim Spooky, ton jumeau démoniaque veut venir jusqu'à toi. Tu es pris pour cible. Viens, on rentre à la maison, gros, ça me fait flipper. C'est dangereux. Vaut mieux rentrer à la maison, se mettre en sécurité. Allez, on rentre à la maison. Vite, viens, Sim Spooky, vite. Et ça y est, nous maintenant, voilà, de retour à la maison, les gars. Je veux quand même vous dire qu'il s'est passé à peu près une heure et demie pour le retour à la maison. En tout cas, là, je pense qu'on est tranquille. Non, Sim Spooky, t'en penses quoi? Eh bien, en vrai, mec, avec nos jumeaux démoniaques, on n'est jamais tranquille, mec. Faut quand même rester prudent, faut rester sur nos gardes, ok, Robtech? Ouais, c'est vrai qu'avec nos jumeaux démoniaques, ça peut très vite dégénérer, moi, je vous le dis. Attends, c'était quoi ça, ce bruit? C'était quoi ça, Sim Spooky? Ça vient du jardin, ça, non? Attends, je sais pas trop. Tu veux pas qu'on aille jeter un œil, non, peut-être? Attends, mais c'est peut-être nos voisins, attends. Faut pas croire toujours que c'est nos jumeaux démoniaques, quoi, tranquille. C'est vrai ça. Ah, mec, c'est bizarre. Non, y'a personne. Y'a personne au jardin. Y'a rien du tout. Viens voir à l'autre fenêtre, peut-être. De l'autre côté? Viens, dépêche-toi, gros. Vas-y. C'est un peu bizarre, gros, ce qui se passe. Attends. Je vais ouvrir, si. Regarde.
C'est sérieux, Cloud? Non, mais c'est moi, je suis votre démoniaque. Non, mais c'est sérieux. Faut pas te voir, regarde. Moi, je ferme la porte, t'es malade ou quoi, t'as vu ça? Ouais, gros, il y avait nos deux jumeaux démoniaques, là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut tout boucler, gros. Attends, mais en fait, le problème, c'est que ce sont nos jumeaux démoniaques qui sont étroitement liés à nous. C'est bien pour ça qu'ils sont venus jusqu'à nous, là. Et mec, t'as vu? En plus de ton jumeau démoniaque, il y a le mien aussi, gros. Et moi, déjà, viens, moi, je ferme tous les rideaux et tout, gros. Oh là là, mec, je m'y attendais vraiment pas, je pensais qu'on était à la maison tranquille. Eh non, mais franchement, je souhaite à personne d'être confronté à son jumeau démoniaque. C'est vrai, là, tu l'as dit, Sim Spooky, ça peut très très mal tourner. Ah oui, ça peut très très vite complètement dégénérer, en fait. Attends, mais je crois, t'entends ou pas, gros? Ça cogne la porte d'entrée, là. La porte d'entrée, vas-y, viens, on y va. Dépêche. C'est chaud, mec. Oh non, mec, fais gaffe. Tiens la porte. Oh mec, ils sont venus là. Ferme la clé, regarde. Ok, c'est fermé. Oh mec, j'ai flippé, je t'avoue, j'ai complètement stressé, moi. Attends, mais ils ont failli s'introduire dans la maison. Et là, je peux te le dire qu'on serait mal barré. Ah oui. Il faut vraiment pas jouer avec ça, mec. Les jumeaux démoniaques, c'est vraiment du sérieux, gros. Oh que oui, ah bah bien sûr que c'est du sérieux, les gars. Bah là, en tout cas, j'espère qu'on est tranquille. On est tranquille là maintenant, Sims. Oui, viens. On est tranquille, les gars. Voilà, mec, j'ai stressé. D'un coup, j'ai stressé à fond, là, mec. Mec, laisse tomber, moi aussi, gros. Je croyais qu'ils allaient rentrer dans la maison. Mais mec, on l'a vraiment échappé belle, hein. Heureusement que t'as fermé la porte à clé. Attends. A few moments later. Je viens de me réveiller. Wow, la nuit a été très très courte. Mais hey, qu'est-ce que j'entends, là, les gars? Mais attendez, c'est moi, on entend Vlad et Nicky se disputer. Mais ça vient d'où, ça? Ça me réveille, en plus. Oh, attendez. Mais... il est 3h du matin, je crois. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe par là? Il va bien Vlad et Nicky au bout de ma rue. Qu'est-ce qui se passe? Je vois même carrément qu'il y a les jumeaux diaboliques de Vlad et Nicky même. Oh, la dinguerie. Chut. Non, ce sont nous les vrais Vlad et Nicky. Mais c'est du sérieux, les gars, tout se passe en bas de chez moi. Oh, mais attendez, mais il y a carrément les jumeaux diaboliques de Vlad et Nicky. Hey, oh les gars, attendez, stop, arrêtez de vous disputer. Mais attendez, pourquoi vous êtes quatre? Vous êtes qui, vous? En fait, ce sont nos foutus jumeaux diaboliques. Wow, attendez, quoi? C'est véritablement vos jumeaux diaboliques? Mais attendez, lequel est le vrai, lequel est le faux? Désolé, je vous avoue, je suis complètement perdu, là. Et donnez-moi des explications, quoi. Vous vous trompez, vous faites erreur. Je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. C'est d'abord vous, les gros menteurs. Non, mais je suis désolé, là, c'est grave. De toute façon, nous allons vous dénoncer à la police pour avoir volé notre identité. Mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mais vous êtes pas sérieux, vous nous pourrissez la vie. Oh là là, mon dieu, non mais les gars, je n'arrive même pas à différencier le vrai du faux, je ne vois même plus qui est le Vlad et Nicky normal ou Vlad et Nicky diabolique, je suis perdu, les gars. Oh, mon téléphone il sonne. Mon téléphone, il est dans la poche, allez, laissez-moi vérifier ça. Oh, Blippi? Tiens, les gars, Blippi qui m'appelle. Allez, je vais répondre. Hey, allô, Blippi? Oh là là, hey, tu m'appelles au mauvais moment, je suis au milieu d'un gros problème. Les Vlad et Nicky diaboliques se sont introduits dans ma maison et ont tout volé chez moi. Quoi? Eh non, attendez, sérieux les gars, laissez-moi parler maintenant. Qui c'est qui a volé? Alors ça c'est sûr que c'est eux. Regardez-moi ces imposteurs. Ok, mais comment ils ont pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé, Blippi? Explique-moi! En fait, c'est qu'ils se sont introduits dans ma maison en cassant la porte d'entrée. Ils m'ont attaché et ligoté et ils ont tout volé dans ma maison. Oh,
comprends mieux. Eh bien, tu sais quoi, Blippi, on va pas se laisser faire. Je vais t'aider à retrouver tout ce dont tu as été victime de vol. D'accord, Blippi? Je m'occupe de tout et t'inquiète pas. Oh, les gars, maintenant je veux des réponses. Celui qui a tout volé chez Blippi doit se dénoncer maintenant, maintenant, tout de suite. Ils sont partis, ils ont pris la fuite. Aïe 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 aïe. Ce sont de sacrés lascars, moi je vous le dis moi. Chut. Attendez, pourquoi est-ce que maintenant j'entends sonner à la porte? Ils sont maintenant plus devant ma fenêtre, mais je crois que maintenant ils sont devant ma porte. Et non, je vais pas les laisser rentrer. Ils veulent sûrement s'introduire dans la maison. Je n'ai pas envie de subir le même sort que Blippi, les gars. Ils ont tout volé dans la maison de chez Blippi. Et je pense qu'ils veulent faire pareil pour moi. Oh non. Je devrais, je pense, verrouiller toutes les portes et toutes les entrées de ma maison. Et je devrais empêcher les Vlad et Nikki diaboliques de s'introduire chez moi. Non, oui. Attendez, non, mais sérieux, les gars, je pensais vraiment, mais vraiment pas qu'il pouvait y avoir une version diabolique des Vlad et Nikki. En plus, les gars, dans leur vidéo, ce sont de bons gamins. Mais ouais. Ils sont pas méchants, ils feraient même pas de mal à une mouche, quoi. Non. Bon, ok, les gars, vous savez quoi? Ça va être simple. Nous allons enquêter sur ce fameux phénomène des jumeaux diaboliques de Vlad et Nikki. Parce que là, le problème, en fait, c'est qu'on a même pas réussi à différencier les Vlad et Nikki normales aux Vlad et Nikki diaboliques. Et ça, c'est pas bon du tout, les gars. On va revoir tout ça, on va réviser tout ça ensemble. Et pour ce faire, je me suis muni de mon ordinateur et on va regarder et analyser certaines des vidéos de Vlad et Nikki pour essayer de trouver le vrai des Vlad et Nikki du faux. Moi, je voudrais surtout retrouver la version de Vlad et Nikki diabolique sur l'une de leurs vidéos. Et puis, juste après tout ça, les gars, on va s'équiper du drone et on va survoler tout partout. Parce que je vous assure, les gars, les Vlad et Nikki diaboliques sont dangereux. Il faut les garder sous surveillance. On va les surveiller avec le drone. Allez, let's go. Là, je vous le dis, j'ai simplement lancé leur dernière vidéo qu'ils ont publiée très très récemment. Et là, voilà qu'on voit Vlad et puis Nikki. Mais ils sont simplement en train de jouer aux policiers. Bah voilà. Mais les gars, il faut le dire, ils n'ont rien de diabolique. Ils ont l'air tous les deux complètement innocents, les gars. Non mais sérieusement. Oh bah regardez, policier a besoin de repos, il a trop travaillé le policier. Non mais sérieux, Qui c'est que celui-là? Oh tiens. Ah bah ça c'est peut-être probablement Vlad ou Nikki, mais diabolique, qui s'est déguisé pour pas qu'on l'aperçoive. Et surtout pour pas qu'on sache que c'est la version diabolique. Ah tiens, ça c'est possible. C'est peut-être ça, les gars. Ça serait pas déconnant. Mais continuons à enquêter ensemble, je pense qu'on est sur la bonne piste. Et... oh attendez, je ferme mon ordinateur. C'était quoi ce bruit, les gars? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh, wow. Attention, les gars, je crois bien que quelqu'un est passé par devant de la fenêtre. En tout cas, là, je crains le pire, je sais pas quoi faire. Laissez-moi aller vérifier. J'ai vu Vlad, Nikki, diabolique, la version diabolique, je les ai vus. Attends, mais ils traînent encore devant chez moi, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Non. Ok, les gars, je vous assure que je vais bien laisser mes fenêtres et mes portes fermées. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, tout est filmé, tout est enregistré. Et attendez. Oh. Je vais ouvrir la fenêtre, les gars. On les entend. Hey, qu'est-ce que t'as réussi à voler dans la maison de Blippi? Je lui ai volé sa caméra, je lui ai volé tout son costume, son bonnet, son nœud papillon, ses bretelles, ses chaussures, tout ce qu'il faut. Bien joué, ça. Alors là, je peux te le dire que là, Blippi, il est plumé. Oh, je ferme la fenêtre, Vous avez entendu? On a tous entendu là, les gars. Ça nous a clairement permis d'entendre toute leur conversation. Ils ont clairement parlé de la façon dont ils se sont introduits dans la maison de Blippi. Et on va tout de suite appeler Blippi, on va tout lui expliquer. Je vais l'appeler tout de suite. Allez, Blippi, allez, réponds tout de suite. Allez, Blippi, réponds. Allô, dis-moi, t'as des nouvelles? Dis-moi. Alors, écoute-moi, Blippi. Là, c'est sérieux, c'est très sérieux. Oh, dis-toi que j'ai surpris les Vlad et Nikki diaboliques. Ils étaient littéralement devant ma rue, côté de ma fenêtre. Et je les ai surpris en train de parler de tout ce qu'ils ont pu voler dans ta maison. Alors, écoute-moi, ils t'ont volé ton bonnet, ton nœud papillon, tes bretelles et même ta caméra pour faire tes vidéos. Oh, non. Roptek, aide-moi.
Écoute-moi bien, comme je te l'ai dit, on va tout faire pour retrouver tout ce qu'ils ont pu te voler. On va pas se laisser faire, d'accord? Aïe, 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 pauvre Blippi. Non, 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 voilà, les gars, il vient de raccrocher. Il est très, 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 très triste. Là, pour le coup, je peux pas laisser la Blippi comme ça dans cette situation. On est obligé de l'aider. On va l'aider. Eh bon, bah, ça y est, les gars, let's go. J'ai pris la voiture, j'ai pris mon drone. Je me suis équipé de tout ce qu'il me fallait, les gars. Et je vous le dis, la situation est critique. Là, les gars, mon drone est prêt. Le drone est déjà opérationnel. Et hop, hop, hop. Bah, regardez, je me trouve déjà tout juste au-dessus du McDonald's. Et oui, les gars, on va d'abord tout juste survoler tout le McDonald's. Mais là, je vous le dis, on va surtout se concentrer sur le parking du McDonald's. Oui, oui, tout le parking, les gars. On va tout scruter partout de partout. Mais attendez, mais... Oh, ouais, oui. Ok, let's go. Là, je vous le dis, je crois qu'on a la main sur les frères Vlad et Nicky. On les tient. Et surtout que là, je peux vous le dire, on n'a pas vraiment affaire à Vlad et Nicky ordinaire, mais là, c'est véritablement Vlad et Nicky diabolique. Oh, là, les gars, je suis surexcité. Non, mais là, on a véritablement affaire à la version diabolique. C'est pas comme d'habitude. Oh, ça fout la pression. On va les suivre, on va les suivre. Oh, oh, oh. Tranquille, tranquille, tranquille. Wow. Oh là, je crois qu'ils n'ont pas l'air d'apprécier la venue du drone. Non, 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 non. Oh, mais en plus, les gars, je veux vous dire que là, dès maintenant, je peux faire la différence entre les Vlad et Nicky maléfiques et les Vlad et Nicky normales. C'est simple. En fait, ils ont des larmes de sang qui coulent de leurs yeux. Je ne sais pas si vous le remarquez, les gars, mais c'est flagrant. C'est terrifiant. C'est surtout terrifiant. Et c'est surtout qu'ils sont hyper dangereux. Ça veut dire qu'avec le drone, il faut que je prenne un maximum de précautions. Oh, ils sont en colère. Ils sont très, très, très en colère. Aïe, 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 aïe. Non, mais là, vous remarquez, ils sont complètement déchaînés. Je vous le dis, ils seraient même capables de détruire mon drone en un coup. C'est pour ça que là, je vais garder mes distances et je vais essayer de garder une altitude suffisante pour pas qu'ils puissent atteindre mon drone. Là, ils peuvent rien me faire. Ils sont frustrés, on dirait. Ils sont carrément frustrés parce qu'ils peuvent pas m'atteindre. Ils peuvent rien faire à mon drone. Et oh, ils prennent la fuite. Ouais, ouais. Oh, maintenant... Bah oui, ils s'enfuient. Bah, je crois qu'ils prennent la fuite, les gars. Ils ont pas d'autre choix que de prendre la fuite. Eh bah ouais, les gars. Loser. Eh oui, bah c'est le drone qui gagne. Bah, bien sûr que oui, les gars. Oh, et puis attendez, en plus, je crois que j'ai même remarqué qu'ils ont laissé traîner leurs affaires. Ils ont carrément oublié de récupérer leur sac. Mais... Alors là, les gars, je suis mort de rire. Ils ont carrément paniqué. Ils ont même laissé leur sac par terre. Oh, franchement, c'est hilarant, les gars. Attendez, vous savez quoi? Je vais carrément aller récupérer le sac, oui, ça serait bien intéressant de savoir ce qu'on peut y retrouver dedans. Attendez, je cours en plein milieu du parking. Et oui, oui, de toute façon, ils sont partis, donc on peut faire ce qu'on veut maintenant. Attendez, c'était à côté du Starbucks, c'était juste à côté, là, c'est où, c'est là, attends, ah bah là, juste là, par terre, les gars, regardez, ils l'ont laissé par terre, ils sont partis sans le récupérer. Et bah, c'est moi que je vais le récupérer maintenant. Et bah oui, et les gars, on retourne la voiture et on va bien voir ce qu'on peut y retrouver là dans ce sac, les gars, let's go. Et allez, je suis retourné à la voiture, les gars. Et regardez, on a véritablement le sac que les Vlad et Nicky diaboliques ont laissé sur le parking. Les gars, attendez, mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver là-dedans? C'est ça le plus intéressant, les gars. Oui. Je le secoue. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. Non, mais les gars. Oh, qu'est-ce qu'on y retrouve? Non, mais les gars, je veux vous rappeler que je crois que c'est les bretelles de Blippi. Oui, les lunettes de Blippi. Oh mon dieu, là j'ai le style à la Blippi, c'est incroyable. Attendez, non, plus sérieusement, les gars, je crois qu'on n'est pas au bout de notre surprise. Non mais sérieux, attends, oh, non les gars, regardez ce que j'y retrouve, le nœud papillon de Blippi. Mais oui, c'est la pièce de son costume. Non mais, alors là les gars, c'est une dinguerie, ça. Je crois bien qu'on a retrouvé tous les éléments qui ont été volés à Blippi. Bah oui, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on a là d'autre? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est quoi ça? Les gars, qu'est-ce... Hey! Non, quoi? Mais c'est une poupée vaudou! Yo, une poupée vaudou! Ça veut dire quoi, ça? Non, mais les gars, réfléchissez dans votre tête, là! C'est simple! Je crois bien que les Vlad et Nicky maléfiques voulaient faire du vaudou sur Blippi pour lui faire du mal! C'est sûr, les gars! Attendez, mais il y a même encore plein de trucs! Il y a des... Oh, mais les gars, il y a plein d'éléments vaudou! C'est quoi, ça? Oh, les gars, une fiole, je viens de retrouver une fiole! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est écrit du sang humain. Quoi? Attendez, mais c'est une blague! Mais les gars, regardez, du sang humain! Oh mon dieu! Mais les gars,
là, il n'y a aucun doute, c'était véritablement de la sorcellerie vaudou pour faire du mal à Blippi. Oh là là, non, 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 je peux pas le croire, je veux pas le croire. Non, mais les gars, je vous le dis, mais les Vlad et Nikki maléfiques pratiquent du vaudou pour faire du mal à tout le monde. Attendez, je prends mon téléphone et on va appeler Blippi. Bah, bien sûr, les gars. Réponds, allez, dépêche-toi, c'est urgent, c'est urgent, Blippi. Ouais, Blippi, Blippi, alors là, je t'appelle parce que j'ai de bonnes nouvelles. Déjà, on a retrouvé tous les éléments qui ont été volés. Oui, on a tout retrouvé. Oui, enfin, on a presque tout retrouvé, quoi. Mais d'abord, Blippi, le pire que tu dois savoir, là, maintenant, c'est qu'ils ont même fait une tentative de faire du vaudou sur toi. Personnellement, oui. Oh, wow, il vient carrément de raccrocher, il est en colère. Oh, Blippi compte se venger. Eh oui. Bon, bah, vous savez quoi, pour les prochaines heures et pour les prochains jours, restez bien, bien connectés sur la chaîne YouTube, parce que là, les choses risquent de très, très mal se terminer, les gars. Et vous savez quoi, maintenant, on se retrouve le lendemain. Je serai toujours et encore équipé de mon drone, et on va rester auprès de Vlad, d'Eniki et de Blippi pour ne rien rater de la suite des événements. M'appelle Dog Day. Oui, vous le voyez très très bien là les gars. Mais je crois que ça fait 10 fois qu'il m'appelait. Vraiment, il m'a appelé au moins 10 fois. Bon, j'espère qu'il m'appelle au moins pour quelque chose d'intéressant. Attendez, laissez-moi répondre. Oh, allô Dog Day. Allô, allô, Replique. Il y a un problème, il y a un gros gros problème. Katniss est confrontée à son jumeau démoniaque. C'est horrible, il lui pourrit la vie. Attends, parce que là, il y a trop d'informations dans ma tête. Là, je viens de me réveiller. Tu m'as clairement réveillé, la Dog Day. J'ai pas bien saisi. Tu es en train de me dire que le catnap aurait un jumeau diabolique qui lui pourrit la vie. C'est ça, c'est bien ça? Oui. Malheureusement, catnap subit les atrocités de son jumeau démoniaque. Mais dingue, qu'est-ce que t'es en train de me dire, la Dog Day? C'est une situation très très préoccupante. Ah oui, attends. J'ai une question là. Mais qu'est-ce qui provoque cela? Et à quelle heure cela se produit précisément? C'est une question très importante. Eh bien, ça se produit bizarrement tout le temps à l'heure de 3h du matin. Ah bah ça m'étonne pas, ça ne m'étonne même pas. Bah à l'heure de 3h du matin, ça rigole pas les gars, c'est du sérieux. Écoute, ça veut dire que là tout de suite, bah vu qu'il est actuellement 3h du matin, ça veut dire que si je déploie mon drone, je pourrais probablement trouver du coup son jumeau diabolique. Ça c'est possible, c'est très 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 fort possible. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh non, Dog Day a raccroché. Il est désespéré. Je pense que très clairement, il voit que la situation du catnap est très très préoccupante. Je pense que là, tous les smiley critters se sont inquiets, c'est normal. Ok, mettez tout de suite un gros pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir catnap. Et je pense qu'il a besoin de tout notre soutien. Mais attendez, du coup, les gars, pour essayer d'en savoir beaucoup plus au sujet du jumeau diabolique du catnap, pourquoi pas se regarder la vidéo spéciale qui retrace toute l'histoire du catnap et on verra forcément le moment où il est confronté à son jumeau diabolique. Ça nous permettra d'en savoir plus et de comprendre un petit peu mieux la situation. Et tout juste après, bien évidemment, nous ferons décoller notre drone pour trouver le jumeau démoniaque du catnap et voir tout ce qui se passe. Attendez, normalement, sous mon lit, j'ai encore quelques gâteaux où j'adore. Ah bah oui, bah voilà, j'ai encore du Twix. Bah les gars, on est bon, allez, let's go. Ah, là, on est bien. Et regardez, j'ai même du Kinder Bueno. Ça, c'est mes préférés, franchement, Kinder Bueno, je valide. Mais bon, maintenant, essayons de comprendre la situation. Oh, oh non, pauvre catnap, il vit un cauchemar. Oh non, alors c'est lui, c'est le fameux jumeau diabolique du catnap. Il lui pourrit la vie, c'est horrible. Oh, il le torture avec des souris enragées. Oh, pauvre catnap. Non, là, c'est chaud. Oh,
Dog Day, attention, fais attention. Fais attention. Dog Days est sous le choc. Forcément les gars, attendez, ouais, regardez, le premier réflexe c'est d'aller prévenir tous les autres Smiley Critters. Mais j'ai l'impression qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Ils en rigolent de la situation. Je pense qu'ils ne croient pas du tout en l'existence d'un jumeau démoniaque de Catnap. Mais si, pour le coup, si ça existe vraiment, c'est réel. Voilà. Non, ils se font attaquer. Tous les Smiley Critters se font attaquer par le jumeau démoniaque du Catnap. Mais non. Non, c'est chaud. Oh non, c'est foutu. Ils n'ont pas du tout pris au sérieux la menace. Ah bah là, ils sont pris au dépourvu. C'est normal. Non. Ils vont tous y passer. C'est ça le pire. Regardez. Oh, ah bah regardez. Il y a Piggy. Il vit de rien. Il vit sa meilleure vie. Alors qu'en fait, c'est la pagaille. Oh, Dog Days. Ouais, vite. Il faut courir. Oh non. Le jumeau démoniaque du Catnap profite de la situation. Cours, vite. Voilà. Non. Oh non. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Et après, il déploie son gaz qui t'endort instantanément. Oh, c'est chaud. Je crois que tous les Smiley Critters vont y passer. Ils sont tous foutus. Oh non. Mais les gars, le petit lapin vert des Smiley Critters, lui, c'est foutu. C'est fini pour lui. Ça y est, c'est fini. Oh non, ils se sont fait trouver là, les deux. Les deux là, Kitchen Chicken et puis le Crafty Corn, eux, ils sont foutus. Quoi? Il a carrément le temps de mettre du sel, du poivre et il va les dévorer. Non. Oh, Dog Days. Voilà, Dog Days, il est courageux. Ah, c'est chaud maintenant. Cours. Oh là. Mais franchement, Dog Days, il est prêt à tout pour sauver ses amis. Mais maintenant, attendez. Mais oui, bah ouais, c'est ça la solution, c'est qu'en fait, il y a le Catnap qui affronte directement son frère jumeau démoniaque. Oh bah non, mais c'est vrai. Il est complètement attaché et ligoté, il peut rien faire. Et il se fait humilier par des souris. C'est la pire situation quand t'es un chat, je pense. Oh, bah voilà, c'est pas compliqué. Allez, voilà, les petites souris, ça dégage. Et toi, tu vas servir à quelque chose. Ouais, voilà. Catnap, il a toujours un bon plan derrière la tête. Il est très intelligent, les gars. Ok, là c'est intéressant. Là forcément c'est intéressant, les gars. Le Catnap s'est libéré de cette très mauvaise situation. Et là, faut vite venir. Non, Dog Days, il est foutu. Quoi? Dog Days, lui, il est courageux. Il tente le tout pour le tout. Il affronte le jumeau démoniaque de Catnap. Non, mais il a aucune chance. Il est foutu. Oh non, le pauvre, là c'est fini. Je crois que c'est finito pour le Dog Day. Faites quelque chose, non. Oh non. Oh non. Là je crois que c'est fini toi d'avance. Les gars, les Smiley Critters, c'est terminé, je crois. Je crois qu'on est en train de vivre la fin des Smiley Critters. Non, Catnap, fais quelque chose. Je pense que là, dès à présent, il n'y a que le Catnap qui peut maîtriser la situation. Oh non! Quoi, c'est horrible! Le Dog Days est attaché et ligoté. Et carrément, il est même suspendu à une corde. Et non! Mais tous les Smiley Critters sont attachés et ligotés. Il les menace de les jeter dans une bassine radioactive. C'est la mort certaine. Non. Non! Il veut très clairement éradiquer les Smiley Critters. Non, ça c'est pas possible. Faites qu'il se passe quelque chose. Catnap, vite. Oh, Catnap, l'arrivée du Catnap. Attendez, rien n'est joué. Voilà, Catnap, vas-y, affronte-le. Empêche-le. Vas-y, baston général. Vas-y, Catnap. Non. Attendez. Oh là. Le jumeau démoniaque du Catnap, il est clairement inarrêtable. Oh là, comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que ça va se terminer, cette histoire, les gars? Oh là. Catnap, il a réussi à trouver la télécommande. Il a appuyé sur le bouton. Ok, c'est bon. Voilà, tabassez-le, c'est tout ce qu'il mérite. Catnap, quoi? Oh, Catnap refuse qu'on s'en prenne à son frère jumeau démoniaque. Mais pourtant, il lui a fait du mal. Il lui a clairement fait du mal, mais le Catnap lui pardonne. Il lui pardonne tout le mal qu'il a pu faire. Oh, ça se termine avec tellement beaucoup d'humilité.
Incroyable, mais incroyable, mais... Ah ouais, donc maintenant, on a bien compris qu'en tout cas, le jumeau démoniaque de Catnap, ça rigole pas, les gars. Bah, dès maintenant, je pense que la meilleure des choses à faire, là, c'est de faire survoler mon drone et d'essayer de retrouver le jumeau démoniaque du Catnap. Allez, que les choses sérieuses commencent. Let's go. Eh bah, ça y est, chose dite, chose faite. Le drone est en pleine activité, les gars, et je survole spécialement le McDonald's. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, figurez-vous que ce McDonald's-là est réputé comme étant un lieu très très fréquenté par les entités démoniaques, surtout quand l'heure arrive à 3h du matin, les gars. Je pense que c'est vraiment à cet endroit là où il est possible qu'on puisse apercevoir le jumeau démoniaque du Catnap. Là en tout cas vous le voyez très très bien, les gars, mais j'essaye littéralement de m'approcher le plus possible de ce McDonald's. Doucement, doucement. Aïe 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 aïe. Voyons voir. Essayons véritablement de retrouver le jumeau démoniaque du Catnap. Où es-tu? Petit, 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 petit. Les gars, cette vidéo est véritablement stressante. En tout cas, je vous le dis, cette vidéo est très risquée. C'est très, très, très risqué. Catnap, Catnap, les gars. Catnap, il traverse la route. Il va jusqu'à la terrasse du McDonald's. Ah, là, regardez, qui c'est qui suit le Catnap comme ça furtivement? C'est... Mais c'est le jumeau démoniaque du Catnap, ça! Mais c'est le frère jumeau démoniaque de Catnap! Non! C'est réel! Le frère jumeau démoniaque du Catnap est réel! Là, là, il n'y a plus aucun doute. Maintenant, je pouvais encore avoir quelques doutes dans ma tête. Mais là, nous l'avons vraiment, vraiment vu! Mais en plus, là, il est littéralement en train de poursuivre le Catnap! C'est fou! C'est complètement dingue ce qui se passe! Je vais continuer avec mon drone. Je vais rester concentré aux abords du McDonald's. Catnap, regardez! Il tente de s'échapper furtivement! Il a l'air très clairement de subir la présence de son jumeau démoniaque. Ah! Non! Il est là! Non! Là, là, c'est sérieux, les gars! Comme nous le disait Dog Day au téléphone, le Catnap vit très clairement un enfer! C'est dingue! Les gars! Il fait peur! Il fait hyper peur! Attendez, où est Catnap? Je pense qu'il tente de s'enfuir, mais on remarque bien qu'il subit la présence de son jumeau démoniaque. Et franchement, ça doit être horrible! Ça doit être véritablement horrible! Tout mon soutien pour Catnap et force à toi! Eh ouais, quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, ça doit vraiment, vraiment être difficile. C'est clairement l'une des plus pires situations que tu peux avoir. Attendez, mais les gars, je vais rester surtout aux abords du McDonald's. On va rester posté comme ça, les gars. Là, 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 là. Mais je vous le disais, tout se passe aux abords du McDonald's. Mais il se passe des trucs trop bizarres dans ce McDo. Je sais pas, il est pas normal, ce McDonald's. Là, là. Oh, Catnap, attendez, attendez, il y a une confrontation. Yay! Oh, le jumeau démoniaque envoie un coup de pied à Catnap. Catnap riposte. Quoi? Attendez, mais quoi? Ok, le Catnap se laisse pas faire. La réponse s'est pas faite attendre. Voilà. Bah franchement, il se défend, il se laisse pas faire, ça c'est une bonne chose. En vrai de vrai, les gars, forcément, quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, si tu te laisses faire, t'es déjà foutu. Mais les gars, on vient très clairement d'assister à une confrontation sévère entre le jumeau démoniaque du Catnap et Catnap en lui-même. La situation est très très critique. Attendez, je pense qu'on va s'arrêter là avec le drone. Forcément, les gars, je me trouve aux abords du McDonald's. Et je pourrais probablement être confronté moi aussi à Catnap, ou encore pire, au jumeau démoniaque de Catnap. Si c'est ça, ça peut très très vite mal tourner. Les gars, je vais pas rester là plus longtemps. J'espère que vous avez bien 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 kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu mets tout de suite un gros gros pouce bleu. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait, parce que là on est sur un gros gros coup. Et d'abord, pourquoi pas dans la prochaine vidéo essayer de confronter Huggy Wuggy face au jumeau démoniaque de Catnap. Là ça peut être très très intéressant. Et avec le drone, vous savez bien que tout est possible. Allez, sur ce, je vous fais plein 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 de gros bisous et à très très vite.